dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On dort les uns contre les autres. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto « Les uns contre les autres ». De Michel Berger, qui a été interprété au départ, je crois, par Fabienne Thibault, puis par France Gall, par Michel Berger et par plein d'autres personnes. Ce tuto, je l'avais dans ma liste depuis un petit moment déjà, et Robert, en dernier lieu, me l'a demandé. Donc, voici Michel Berger, Les uns contre les autres. Sachant, évidemment, comme vous le savez, que cette chanson se joue normalement au piano, c'est toujours délicat de vouloir faire absolument ce que fait le piano avec une guitare. Donc, voici ma proposition pour cette chanson, et je dis bien ma proposition avec mon rythme. Et évidemment, on aurait pu faire cette chanson sans capot, avec des accords un tout petit peu plus compliqués, mais guère plus. Mais c'est encore plus simple avec le capot, alors pourquoi s'en priver? Allez, on y va tout de suite. Michel Berger, Les uns contre les autres. C'est une chanson super courte, il y a très peu de paroles, et je crois que la dernière vidéo que j'ai vue, Michel Berger en live, elle dure 1 minute 47, donc c'est pas grand chose. Alors certainement que vous serez obligé de la faire peut-être deux fois l'ensemble pour essayer de la faire durer un petit peu. Quoi qu'il en soit, je commence avec un La mineur, je vais faire une basse et un petit O, et attention, ce O, quand je dis petit, c'est vraiment effleuré. Je vise deux cordes et parfois j'en touche trois, mais pas plus. Et en douceur, encore une fois. Ensuite, pour passer au B7, je vais refaire un tout petit O pour faire basse, B7. Allons-y jusque-là. 3, 4 et... Ensuite, je vais faire sur la corde de mi un petit quelque chose de très simple, case 3 et un hammer, quatrième case, et corde à vide de mi, ce qui me fait... Allons-y jusque-là tout doucement. 3, 4 et... Et je recommence. Comme ça. Autant de fois que vous voulez. Normalement, c'est que deux fois. Comme d'habitude, vous aurez téléchargé le petit document en cliquant sur le lien qui figure dans le descriptif de la vidéo, parce que vous aurez ainsi la même chose que moi devant les yeux, c'est-à-dire les accords tels que moi je les entends, tels que moi je les vois, et là où il faut pour changer pour ceux qui en ont besoin. Rythmiquement, voici ce que ça va donner, ce que je vous propose. Alors, je vous le fais tout doucement. Basse, haut, haut, basse, haut, basse, haut, basse, haut. Au basse, au basse, au basse, au. Au basse, au basse, au basse, au. Si je ramène ça sur mes accords à toute petite vitesse. 3, 4 et... Ensuite, vous voyez un Do suivi d'un Do slash Si. Alors, pour le Do, pas de problème, hein. Je monte mon majeur ici sur la note Si, j'enlève mon annulaire et je garde mon index toujours sur la position du Do pour faire. Et on voit la ligne en suivant après. Faisons juste cette ligne ensemble à petite vitesse. 3, 4 et... Refais la même chose, sauf qu'au lieu de commencer par un La mineur, je commence par un Do. 3, 4 et...
le même système. Haut. Et là, par contre, ça va changer. On va faire un Do vers le bas. Un Si septième, mais on ne va pas le faire complet. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire totalement ici, on va mettre que index et majeur pour faire... Et je passe en Mi7 pour faire un O. Revoyons juste à partir de ce Ré. 3, 4 et... La même chose, sauf qu'au lieu de commencer par un Ré, on commence par un La mineur. Et pour la suite... Alors, c'est une proposition, encore une fois, je ne tiens pas la vérité, et ça, par contre, ça n'a rien à voir avec le piano, mais c'est histoire de sortir un petit peu du rythme pour amener un événement. Je vous propose de faire un arpège super simple qui va faire ceci. Alors, rien de plus facile, hein, comme c'est du 3 temps, hein, on va faire donc La mineur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 sur le 7e, Mi 7e, La mineur, B7, et eh bien on en aura deux à la suite. Et pour le Mi et le Mi 7e de la fin de ce couplet, je vais faire bas, haut, bas, haut, 7e, haut, bas, haut, et on en a fini pour ce qui est des accords et du rythme. Je vous propose que l'on résume tout ça. C'est-à-dire, pour l'instant, pas l'intro, c'est pas la peine, on la verra au moment de la récap. Revoyons juste couplet et ce qu'on peut appeler le refrain, à la limite, au bout du compte. Hein. Allons-y ensemble. 3, 4 et... Voilà pour ce qui est de la guitare. Voyons pour le chant. Pour trouver la bonne note pour commencer à chanter cette chanson, je vais prendre la seconde case de la corde de sol. Si on n'avait pas le capot, ça serait la note là. Hein, donc. Et la note, la corde de mi à vide dessous, ce qui me fait « On dort, on dort ». Pour attaquer le chant, on va attaquer, une fois n'est pas coutume, directement avec nos deux notes, c'est-à-dire on dort les uns contre les autres. Sur le Do et le Do slash Si, il ne se passe rien. On vit les uns avec les autres. On se cajole, on se comprend, on se console. Et pour l'arpège, on va attaquer le chant avant la guitare, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul. C'est fini parce que on a un couplet qui ressemble beaucoup à celui-ci. Les paroles changent un tout petit peu, mais après, on n'a que de la redite et que des refrains. Donc, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est qu'on fasse la récap. Pour cette récap, ce que je vous propose, c'est que nous la fassions en entier. C'est-à-dire
l'intro, les deux couplets, et on finira avec deux refrains. Vous, j'imagine que vous serez obligé de la faire deux fois en entier pour pouvoir la faire durer un tout petit peu si vous l'aimez, cette chanson. Allez, c'est parti avec l'intro, et je vais faire tout ça, si possible, pas aussi vite que dans la réalité, même si c'est une chanson assez lente. Hein. 3, 4 et... On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire. On se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Voilà, alors j'ai choisi de faire la dernière, le dernier petit refrain en rythme plutôt qu'en arpège, justement pour sortir de l'arpège, pour finir cette chanson. Je vois pas trop comment la finir autrement. Peut-être que vous, vous aurez une autre idée, et n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, à Christian, je crois, Philippe et Robert, donc, ce tuto Les uns contre les autres de Michel Berger. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.